J'ai jamais fait une intro aussi détente, mais c'est comme ça qu'est la vidéo également. Derrière moi, t'as Emily Worms qui fait la voix de Anna dans La Reine des Neiges. Elle est dans The Last of Us, elle fait aussi la voix de Mercredi. Et au milieu, tu as Nathalie Holmes, sa mère, qui a fait la voix off du meilleur pâtissier, la voix de la maîtresse d'Antiteuf. Et tout simplement, on a eu une discussion. Si toi aussi, t'as envie de te lancer dans des métiers créatifs ou d'être à ton compte, entrepreneuriat, freelance, enfin, de partir dans des sentiers qui sont pas forcément conventionnels, bah, cette vidéo est faite pour toi. C'est le témoignage d'une mère et sa fille. Et j'avais envie de faire une intro nature, tout comme l'est notre échange. Donc j'espère que ça te plaît. N'hésite pas avant que ça commence de liker cette vidéo, abonne-toi et c'est parti. Bonjour Nathalie, bonjour Emilou. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et Ouais, toi? super. Bah écoute, ça va très bien. Ça me fait très plaisir de vous avoir toutes les deux parce que j'aimerais bien discuter d'un sujet avec vous. C'est le fait de se lancer dans ce domaine, d'être comédienne de doublage, de prêter sa voix à des films, des dessins animés, des publicités, toutes ces formes. Nathalie, c'est quand que ça t'est arrivé la première fois que tu t'es dit que tu voulais faire ça? Alors, vraiment la première fois, j'étais toute petite et je faisais des fausses pubs où j'enregistrais « Ouais, qu'est-ce que tu manges toi ?»« Ouais, des chips Vico. » Enfin, voilà. Ouais. Et après, c'est arrivé un petit peu tard, justement, okay. Parce que je ne connaissais pas du tout le milieu des voix. Mmh. Et j'ai tourné en tant que comédienne, j'ai fait du théâtre, du cinéma, de la télé. Après, j'ai fait une pause maman et je me suis occupée de mes enfants. Et puis, j'ai eu envie de revenir à ce métier. Et le hasard a fait que j'ai commencé la direction artistique chez Ubisoft. Okay. Et c'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens qui faisaient des voix et ça m'a donné envie. Le hasard a fait que j'ai fait une ou deux voix. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai été choisie sur des trucs. Et puis voilà, c'était chouette. Ok. Et du coup, Emilou, c'est quoi le plus vieux souvenir que tu as par rapport à ta mère qui fait du doublage? Je me souviens que tu nous emmenais à la Marque Rose, qui est un studio de jeux vidéo, et qu'il y avait des grandes figurines de Lara Croft, etc. Ils avaient une console. Mm-hmm. Et avec mes frères, en attendant ma mère qui enregistrait Harry Potter. Ah ouais? À l'époque. Mm-hmm. Nous, on jouait à la console en l'attendant. Et ça, c'est vrai que ça me marquait. C'est un petit peu un élément déclencheur où ouais. Tu te dis, ah, c'est un domaine qui m'intéresse. Ça, c'est ce qui t'a fait découvrir. Et après, comment t'as su que tu voulais vraiment te professionnaliser là-dedans et te dire, bah tiens, j'aimerais bien que ce soit mon métier? À ce moment-là, j'avais déjà fait des petites expériences de doublage. Okay. Parce que notamment, il y a beaucoup de DA qui cherchent des voix d'enfants. J'ai dû faire ma première phrase en rigolant. Ma mère a travaillé avec Daniel Bachelet. Ouais. Et puis Daniel, qui est une de mes mamans du doublage, elle m'entendait parler. Puis elle m'a dit, oh, tu veux pas essayer de faire une petite phrase? Et je me souviens, c'était sur un film de baseball. Okay. Et c'est comme ça qu'elle m'a découverte, on va dire. Je faisais ça à côté de l'école. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'être comédienne, j'ai envie d'être chanteuse, j'ai envie d'être décoratrice d'intérieur. Mm-hmm. Bah, pour je vais essayer de faire, de continuer à faire du doublage, de voir où ça mène. Et puis si je suis pas assez bien, parce que quand on est enfant, on a une naïveté dans le jeu qui ne se fabrique pas parce qu'on ne réfléchit pas comme ça. Et puis quand on est adulte, parfois ça change et puis on peut découvrir qu'on n'est pas forcément doué en fait finalement. Oui, ou qu'on n'aime pas forcément ça. Ou qu'on n'aime pas ça. Ou voilà. Il y a plein de jeunes personnes avec qui j'ai travaillé quand j'étais enfant qui n'ont pas continué parce qu'ils n'avaient pas envie, c'était plus leur truc. Ou alors parce que après qu'ils aient construit leur jeu, ça marchait moins bien. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que bah, j'avais quand même une petite prédisposition et que bah, j'avais quand même fait tellement de théâtre et j'avais tellement joué quand j'étais plus jeune et que du coup, bah, j'ai persisté. Et puis, j'apprends tous les jours, toujours, mais c'est avéré que j'étais plutôt douée finalement. Et du coup, bah, là, c'est une carrière qui est artistique, créative. Et donc, je pense à cette question parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, qui peut-être veulent faire aussi des métiers dans l'artistique et le créatif de manière générale dans tous les domaines. Du point de vue de la maman, sachant que vous êtes déjà dans ce domaine, comment ça se passe pour accompagner? C'était quoi le discours qu'il y avait du coup à la maison par rapport à ça? Bah, au départ, tu dis mes enfants vont être tous avocats ou... On a eu les mêmes parents. Faire HEC. Moi, c'était ingénieur, ils ont dit. Travailler à l'école. Voilà. Après, bon, c'est vrai que c'est un métier de, on va dire, des enfants de la balle. Hein. On dit toujours les enfants de la balle, mais c'est vrai que c'est vraiment un truc de famille, quoi, en fait. On a une fibre artistique. Bon, en plus, leur père écrit des chansons, est musicien, donc ils ont baigné quand même dans une atmosphère d'artiste, on va dire. Et c'est vrai que, bah, à part évidemment l'angoisse de se dire intermittent du spectacle, désolée, je suis un peu à faune parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, intermittent du spectacle ou artiste, comédien, il faut avoir vraiment la fibre, justement, et avoir vraiment envie de faire ce métier pour en vivre. Mais c'est aussi un état d'esprit, et puis ça se fait naturellement. Moi, j'ai 5 enfants sur les 5 qui ne sont pas tous devenus comédiens, chanteurs, artistes, ça dépend aussi de leur fibre, mental, de leur eux. Façon. Ils sont artistes d'une certaine façon, mais c'est vrai que, bon, Emilou a eu une super carrière dans le doublage, et à juste titre, et vraiment pas parce que c'est ma fille,
Parce que là, une carrière à part entière, exactement. Et du coup, ça a été, suis ton instinct, suis ta voix et ose le faire. Oui, ça a été un peu naturel aussi parce qu'elle chante et qu'elle a été beaucoup accompagnée en effet par Claude Lombard, qui l'a beaucoup, qui lui a donné les moyens de s'exprimer à travers la chanson. Et donc, petit à petit, ça s'est fait que. Et puis là, il se trouve qu'il y a énormément de séries avec du chant. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai qu'Emilou a totalement sa place dans cet univers-là en ce moment. C'est chouette, mais c'est vrai qu'évidemment qu'il faut dire suis tes rêves et fonce, quoi. Il faut, quand on tombe, il faut se relever et que parfois on a des périodes très dures et puis ça revient et on est un peu en effet dans le désir des autres professionnels. Et c'est vrai qu'il faut arriver à avoir cette patience et cette détermination. Une aventure créative, entrepreneuriale, de se lancer dans ces projets. Et du coup, c'est où dans tes études où tu t'es dit maintenant je choisis cette voie-là et du coup j'arrête la partie école? C'est vraiment après mon bac. Ouais, c'est quand tu as dû. Parce qu'en fait, j'ai pas mal travaillé quand j'étais petite, beaucoup le samedi, beaucoup le mercredi. Mm-hmm. Et puis après, quand j'étais au lycée, j'ai moins travaillé. J'ai fait que quelques séries, quelques films de temps en temps, vraiment, quand c'était des gens que je suivais ou des séries que je suivais. Parce que je voulais vraiment avoir mon bac et je voulais vraiment me focaliser là-dessus. Mm-hmm. Et puis c'est important aussi de faire autre chose et de faire des expériences de jeunesse normales, quoi, comme tout le monde. Et puis en arrivant à Paris, parce que j'habitais en province, et donc de revenir à Paris, d'avoir 18 ans, de me dire bon, qu'est-ce que je fais vraiment maintenant? Est-ce que je me suis inscrite 3 mois à la fac pour voir ce que c'était? Mm-hmm. Et puis en fait, j'étais en studio, donc je me disais j'ai plus le temps d'aller à la fac. Et donc finalement, j'avais pas la même carrière que j'ai maintenant, hein, donc je travaillais pas autant que maintenant, donc j'avais des petits boulots à côté, etc. Mais je me suis dit en fait, je vais tenter ma chance, je vais voir si je suis toujours douée, si j'y arrive, si c'est un truc qui me plaît aussi, parce que on peut aussi perdre l'envie de le pratiquer tous les jours quand c'est un hobby, ça passe. Quand on commence, on fait pas des rôles extrêmement impressionnants et des rôles géniaux. Hein. On fait des petits rôles, on fait des ambiances. Quand on découvre les gens, pour que les gens nous découvrent, c'est beaucoup des ambiances. Donc c'est pas forcément toujours le rôle qu'on pensait avoir. Et ça vient plus tard, quoi. C'est après qu'on se soit perfectionné, après qu'on puisse nous faire confiance, qu'on ait cette dextérité aussi de pouvoir tout de suite switcher dans les émotions, être vraiment très pointilleux, être investi dans le travail aussi et d'avoir cette précision dans le jeu qui fait qu'on a quand même quelques années derrière nous, quoi. En parlant des gros rôles, là, les derniers que tu as fait ces dernières années, si je ne me trompe pas, tu as Anna, la Reine des Neiges, tu as Mercredi aussi. Mm-hmm. Donc, c'est deux projets. Comment t'as fait pour te retrouver sur ces projets-là? Est-ce que ça t'a parlé directement? Alors, pour La Reine des Neiges, c'est grâce à Claude Lombard, mm-hmm. parce que je connaissais Claude depuis mes 10 ans. Mm-hmm. Et je faisais une série, je faisais plusieurs séries animées avec elle où je chantais beaucoup. Dès qu'elle avait des projets chantés, je faisais partie de son équipe. Mm-hmm. Et on avait cette confiance ensemble. Et c'est elle qui m'a vraiment tout appris dans le doublage chanté. Mm-hmm. Et elle m'a mis sur les essais. Et puis, du coup, j'ai rencontré Ninou Fratellini, qui elle était la directrice artistique du dialogue. Mm-hmm. Et puis, voilà, je ne savais pas ce que c'était. On a fait des essais sur des croquis. Mm-hmm. C'était pas encore animé, on ne savait même pas à quoi ça allait ressembler. On n'avait pas l'histoire vraiment. Ouais. C'était vraiment le tout début. Les premières planches, les premiers débuts. Vraiment, c'était des croquis, des images comme ça qui défilaient. Il n'y avait même pas d'animatique. Ouais. Et c'était. Et voilà, et puis. J'ai été choisie et de ça, on est suivi les rôles. Cette aventure de La Reine des Neiges. Et pour Mercredi, j'avais doublé Jenna Ortega dans deux films, dans Yes Day et puis dans The Fallout. Mm-hmm. Et puis on m'a appelé pour faire les essais de Mercredi et puis je les ai eus. Wow. Voilà. Incroyable, incroyable. Pour terminer, est-ce que chacune, vous auriez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, que ce soit peut-être du point de vue étudiant, vu que tu l'as été il n'y a pas si longtemps, qui ont peut-être des projets à côté et qui hésitent à les développer, à se lancer ou à tenter leur chance, et aussi peut-être du point de vue de la maman, de se dire, peut-être il y a des mamans qui regarderont aussi la vidéo et qui vont se dire, ah tiens, maman, regarde cet extrait, ça parle de moi, j'ai envie de tenter mes trucs et... Et voilà, un mot de la fin sur ces domaines-là. En tant que maman, dors bien, ne bois pas d'alcool, ne fume pas, fais du sport, lis des livres, écoute de la musique, ouvre ton esprit à plein de choses et surtout, crois en tes rêves. Voilà. Et les mamans, accompagnez vos enfants
dans leurs rêves, parce que c'est ce qu'on peut leur donner le plus beau cadeau, je pense. C'est important, oui, c'est important, comme tu dis, de, je pense, d'apporter ce suivi, même si ça marche ou ça marche pas. C'est leur donner l'impulsion de se dire, bah, tente et n'aie pas de regrets pour voir ce que ça donne et pas avoir le regret de te dire, ah, j'aurais peut-être dû, ou t'aurais dû me soutenir, ou t'aurais dû me laisser ma chance. Bon, après, c'est un chemin de vie, hein. Il y a des gens qui ont besoin de se révolter et d'être rebelles et de faire leur truc, et puis ils y arrivent aussi. Donc c'est un peu, je pense que c'est chacun son chemin, chacun son expérience aussi. Hein. C'est pas, c'est vrai. Il y a pas de règles. Non, c'est vrai qu'il y a pas de règles universelles. Et moi, de mon point de vue, je dirais, je pense que maintenant, de la génération de maintenant, que je croise beaucoup et qui me pose beaucoup de questions par rapport au doublage, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas être impatient et avoir envie d'aller trop vite et de se dire que de vouloir être une voix, parce qu'on est une voix, mais on est avant tout un acteur, un comédien. Et ce qui fait la richesse de ce qu'on fait, c'est le cœur qu'on y met et le jeu qu'on y met. Et c'est ça qui va changer la voix, et c'est d'incarner des personnages. Donc si on veut aller trop vite et qu'on veut être une voix parce qu'on pense que c'est aussi facile que d'enregistrer une petite bande rythmo sur TikTok en imitant déjà une interprétation qui a déjà été faite et existante. Je pense que ce serait ça mon conseil, c'est d'avant tout avoir envie d'être comédien et d'incarner des personnages et d'avoir envie de passer ce chemin qui est long, en fait. Et parce qu'on a souvent ce rêve de se dire, oh, moi, mon rêve, c'est d'être une princesse Disney, ou c'est d'enregistrer une voix d'un manga, ou c'est d'enregistrer ce rôle-là de cet acteur-là, mais en fait, on va pas y accéder tout de suite. Oui, il y a tout un chemin, comme tu disais, les ambiances, les premiers... Tu vas peut-être jamais y accéder. C'est possible aussi. Non, mais c'est vrai aussi. Donc je pense que certains pensent qu'on a fait que quelques rôles et qu'on a fait que ces rôles-là, et qu'une fois par an, on fait un gros rôle, etc. Mais en fait, on travaille tous les jours et on fait des petits rôles, des ambiances, l'homme 4, la femme truc, puis d'un coup, on va faire un rôle beaucoup plus intéressant dans une série qui va nous intéresser, nous, beaucoup plus. Mais en fait, notre métier, c'est d'incarner tout type de personnage. On ne peut pas choisir. On nous appelle, on travaille. On ne peut pas dire, ah bah moi, j'ai vu qu'il y avait cette série qui va sortir. Donnez-moi ce rôle. On aimerait bien. C'est vraiment le DA qui se dit, ah bah tiens, ce rôle me fait penser à tel comédien. Son jeu, son énergie, et ce n'est pas la voix. C'est l'énergie du personnage. Et d'ailleurs, ça peut nous arriver de ne pas faire le rôle d'une actrice qu'on double tout le temps, parce que là, elle s'est tellement changée qu'on n'a plus l'énergie. Ouais, c'est plus la même interprétation qu'ils ont envie de donner. Voilà, moi je sais que là, j'ai passé des essais pour un film. Olivia Colman, je ne l'avais jamais doublée. Et puis en fait, bah, voilà, j'ai eu les essais parce que ça correspondait. Et dans l'équipe de voix aussi, à son énergie dans le personnage. Dans ce rôle. Et d'ailleurs, ça sort au cinéma, là, ça s'appelle Scandaleusement Vôtre. Et c'est un film anglais génial. Je fais un peu de pub. Bah, n'hésitez pas à aller le voir, en tout cas. C'est un super film. Mais voilà, mais c'est vrai que... Et puis, je peux aussi perdre, entre guillemets, une actrice que j'aime, qu'on aime. Et quand on perd une actrice, c'est dur. Bon, on la perd peut-être sur un film et après, on la retrouve sur un autre projet. Un peu projet. Plus tard. Personne ne nous appartient. Et puis, c'est aussi, ça fait partie du jeu. On ne peut pas être partout, on ne peut pas tout avoir. Mais en tout cas, si on est déterminé à faire de ce métier notre métier... C'est avant tout, il faut que ce soit une passion et non pas juste une... Oui, viser l'objectif, se dire, oh tiens, ça peut être sympa. Parce que je sais que ça paraît simple par moment, mais c'est avant tout un travail. Et je pense que quand on a accès aux vraies séances de travail, l'envers du décor, un stage ou même une représentation comme ça, on peut faire des bandes de TikTok à l'arrache. En fait, ce sera jamais exactement ça, parce que derrière, il y a un directeur artistique, il y a un ingé son. Parfois, il y a même les clients sur le plateau qui peuvent avoir des exigences. Et ça peut déstabiliser. Il y a aussi le mental qui est un peu important. Et puis, on a parfois aussi des scènes très difficiles à faire qui prennent du temps. De l'énergie aussi. De l'énergie. Parfois, ce n'est pas que des choses rigolotes. Il faut aussi savoir se mettre dans la peau d'un personnage, d'un acteur qui, lui, a passé des mois à travailler son rôle, à se dire, bah là, je vais faire cette scène terrible. Et nous, on a une minute pour le faire. Pour réussir à passer dans l'état émotionnel pour interpréter au mieux la phrase. Et puis, parfois, on n'a pas forcément envie de se mettre dans des états pas possibles, mais si on veut que ça se ressente vraiment. Même si on ne nous voit pas, il faut bien qu'on le ressente aussi. C'est vrai. Donc après, on pleure, après, on ne voit plus la bande rythme. Voilà, c'est terrible. Après, on rentre chez soi et on déprime un coup. Non, mais ça peut nous arriver, nous aussi, d'être atteint par des rôles. C'est normal, c'est chargé émotionnellement. C'est une émotion toute une journée un peu difficile et tout. Mais voilà, je pense qu'il faut être passionné avant tout et pas avoir envie que ça aille trop vite, de ne pas tout avoir d'un coup. Super, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Merci à toi de nous avoir attendus ce soir. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à les retrouver. Émilou et Nathalie sur leurs réseaux respectifs, vous les aurez en description. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brazet. Ciao.